Parce que en fait, on va jouer. On est là pour jouer, non? J'ai pas vérifié du coup le son du jeu, mais j'imagine que ça va bien se passer. J'ai gagné des frames. Ça c'est bien. Le truc a bien tourné, c'est cool. Alors je sais pas si vous m'entendez bien là, mais normalement ça devrait être bon. C'est juste pour mon dos. Je me positionne. Peut-être que je vais allumer ça aussi, ça peut servir. Bonjour la caméra. Je te regarde intensément dans la tête. Alors, bonjour. C'est parti. Bonjour Raving Bell. Tu n'as pas suivi, mais nous avons des nouvelles commandes. Beaucoup de nouvelles commandes. Je t'invite à les chercher. En fait, j'aimerais bien en faire des Easter eggs pour certaines. Mais amuse-toi bien. Et, alors, les vidéos, je les entends pas malheureusement, mais je vous fais confiance. J'ai déjà écouté un peu. Voilà. Oh, j'en suis à Sacheté, ça se 10 heures. froisse avec noblesse, ça se tremble avec élégance. Bon. C'est la meilleure. Du coup, j'ai fait tourner le lien tout à l'heure de la sur la sapologie. Si vous ne connaissez pas le système de la sapologie, c'est pour ça que je suis actuellement en petite chemise. Ça se froisse avec noblesse, ça se porte avec élégance. How are you, gentlemen? All your base are belong to us. You are on the way to destruction. Celle-ci, je l'entends pas. Les vidéos, du coup, je l'entends pas. Et le bug, ouais, c'est sur la caméra, mais je sais pas si c'est très intéressant en fait. Mais le zoom, c'est marrant. Si tu veux essayer le zoom, je sais pas si ça marche là avec le. Bonjour. Ah bah, si tu. I love gay streamers. Bonjour. Bienvenue. Alors, je vais vous montrer. Je vérifie juste un truc. Oui, c'est bon. Si tu essayes zoom, ça devrait marcher. I'm escaping to the one place that hasn't been corrupted by Il ne faut capitalism. jamais sous-estimer les crabes. Space. Je suis parvenu dans le jeu. Si on les laisse tranquilles, ils peuvent devenir aussi gros que qu'une fusée. Est-ce que ça marche? Ah, c'est peut-être parce que j'ai bloqué Zoom pour vous. Attendez, parce que je faisais des tests justement sur les blocages. Attendez, je vais modifier ça. C'est grâce à StreamerBot du coup que j'utilise ça. Et StreamerBot fait du voice control, donc du coup le Zoom, je pensais l'utiliser pour le à chaque fois que je dis Dane, vu que je dis souvent. Voilà quoi. Donc audio.
c'est vidéo ça. Ouais, du coup le Dane, normalement c'est les onomatopées, normalement c'est toujours visible. Alors ça marche toujours pas bien, donc voilà. Ça c'est bon, donc c'est du côté commande en fait, ok. Ah oui, c'est ça, je me suis rajouté dessus, donc du coup ça... Ok, c'est bon. Là normalement le zoom ça fonctionne. Pour tout le monde. Ouais, c'est un bug de caméra, c'est une seconde, donc du coup c'est très court. Mais si tout le monde se travaille à plusieurs, ça devrait bien fonctionner. Parce que si tu fais le zoom plus le bug, ça peut... je sais pas si ça fonctionne. Ah non, quoi qu'en grand, ça marchera pas. J'ai pas encore mis sur la full cam. Même que John a dû l'affronter. Devrais pouvoir acheter des crabes royaux au crabe royal. Ah ouais, c'est ça, il fallait que je fasse un truc avec la bouffe. Je m'en rappelle. Non, c'est... essaye le zoom, le Dane, je sais pas, je pense qu'il marchera pas. Et le Dane, il marche... c'est stream... stream element et... Et c'est le WebM, il le lit mal, je crois. Je sais plus ce que je devais faire. Ah si, c'est la mission crustacée. Donc j'ai acheté des... Ah bah du coup, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Okay. Awkward. Attendez, je vais bouger un peu la caméra parce que j'ai vu que c'était pas très bien placé. C'est pour le malaise. En fait, j'ai fait exprès de prendre un temps qui est considéré à la radio comme un temps de silence. Et du coup, en fait, c'est c'est un peu malaise, quoi. Ah, mais faut que je mange, j'ai plus de vie, en fait. Ah, mais j'ai tout claqué, c'est vrai. J'avais tout claqué, en vrai. Là, on peut acheter des crabes, normalement. Désolé, un marin d'eau douce a déjà acheté tout mon stock. Mais paraît que le marché du dragon va pas tarder à ouvrir. Vous trouverez peut-être votre bonheur là-bas. Super, un schéma. T'avais pas dit que t'irais pas au palais Pellicule? Ouais, mais bon, avec le trou noir dans une aussi bonne passe, il fallait que je tente ma chance. Après tout, comment je suis censé amasser une fortune si je titille pas le trou noir, c'est ça? Une fortune indécente? Une misère indécente? Oui. T'as bien raison qu'elle ramassit de que... Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Hé, hey, toi, t'aurais pas quelques pièces à dépanner au vieux robot par hasard? Alors, je crois que le... Je me rappelle plus des touches, hein. Ça fait quand même 2 semaines. Voilà. Ouais, faut aller en bas. Allez, on va en bas. Parce qu'on va au schéma. Le marché du dragon ouvre officiellement demain. Mais où est passé cet imbécile d'Ablize? Alors, Ablize, je crois que c'est le petit bonhomme avec les cheveux roses et bleus. Il est tard, il n'est toujours pas rentré. Il a vraiment le chic pour inquiéter son monde. Ok, donc on fera peut-être descendre là. J'aimerais bien pouvoir installer mon stand d'épices ici. Ok. Tout est quasiment prêt. Vous êtes en avance. Revenez demain pour acheter les fruits les plus frais que vous ayez jamais vus. Ok. Ouais, donc du coup, ça a l'air plutôt allégé. Ça a plutôt allégé mon stream, finalement, StreamerBot, là. Donc, Mixitop, j'utilise plus du tout pour les commandes. Ah, les fantômes. Je sais pas si c'est suffisamment haut le son du jeu là. Est-ce que tu l'entends bien du coup, Raving Bell? Vous revoilà. Vous voyez cette grande porte là-bas avec les dragons? Ah, ça m'a l'air un peu bas en fait. Je vais monter un peu le son. Boum,
Boum. Le jeu. Parce que là, c'est un peu bas, mais je sais pas si on entend bien. Ah oui, ok. Mais super, merci. J'ai une histoire à son sujet. Tout part d'une légende que les enfants de la ville se racontaient. Elle disait que cette porte était faite des mâchoires d'un dragon des rivières. Et que la franchir par une nuit de pleine lune permettrait d'accéder directement au palais de ce puissant dragon. Un jour, un petit garçon téméraire a décidé d'essayer et plus personne ne l'a jamais revu. Mais cette année-là, les pluies furent particulièrement abandonnées sur la ville. Et la récolte de blé fut exceptionnelle. Depuis, en cas de sécheresse, les gens disent en plaisantant qu'ils devraient peut-être envoyer un autre enfant au palais du dragon. D'accord. Un sacrifice... Bon, ça a l'air d'être là, hein, là où il y a le regroupement. Je peux passer par ici. Oh. Oh. Bonjour. Razo. Le lac de cristal est si calme la nuit. Ok. Donc c'est le lac de cristal comme... comme piège de cristal. Vous êtes sûr de vous? Vous en chargez? You hopeless bo... Ah, et c'était même pas traduit. Sûr, à 200%, mon monsieur. Après tout, on est les plus forts, les plus intelligents et les plus virils de ce côté du barrage. Bien sûr. Comptez sur nous, monsieur Cheville. On va vous apporter tous ces crabes royaux demain à la première heure. Parole de scout. Parole de main, plutôt. Non. Je ne suis pas sûr que vous soyez vraiment scout et je ne vois pas en quoi ça me concerne. Mais bon, pourquoi pas. Why not, hein? Vous êtes engagé. Bingo, frérot. Allez, on va fêter ça. Frérot. Je me disais la même chose, frérot. Et même que je sais déjà ce qu'on va faire, frérot. Oh oh oh, tu pensais la même chose que moi, frérot? On dirait... comment il s'appelle? L'hippopotame et les rhinocéros dans Tortue Ninja. Ils font le même duo, le même système de duo. Si c'est du crabe, si c'est du crabe que vous cherchez, vous avez trouvé Your Main. Passez donc au crabe royal demain, et vous pourrez découvrir ce que Barrageville fait de mieux en matière de crabe. Jon, tu as entendu? Allons le dire à Alba, on va gagner demain, c'est clair et net. Ah, parce que maintenant on est devenu en mode Harvest Moon, c'est ça? Donc en fait là on découvre juste le marché pour pouvoir revenir au marché. Ok. Pourquoi est-ce que ce truc est allumé et pourquoi il clignote comme ça? Ah mais il est là où on était, là où c'était chiant. Parce qu'on a trouvé le feu là. Comment s'appelle le lance-flamme? Qu'est-ce que... Il y a de quoi s'interroger. Toi? Comment tu... Qu'est-ce que... Serais-tu un peu long à la détente? N'as-tu pas quelque chose à me dire? Par exemple, ce qui se passe ici. Manifestement, tu n'as rien de plus qu'un enfant. C'est faux. Je suis le moissonneur, le faucheur d'humanité. Ah bon? Ah, vraiment? Et pourtant, tu n'as même pas réussi à comprendre comment allumer ceci. C'est... Peu importe. Je vais te donner un nouveau jouet pour que tu t'amuses. Ça te plairait, n'est-ce pas? Tu veux dire? Peut-être enlever le retour. Viens, Jon. Il faut qu'on trouve des crabes royaux pour le crabe en cocotte. Toujours plaisant d'aller chercher les crabes en cocotte. Il faut qu'on trouve des crabes en cocotte. Lit et cuit. Lee, c'est la personne qui est chef du casino. Des tonnes de jouets. Ok. Bon, on y va. J'ai toujours pas de vie. J'ai dormi, mais j'ai pas de vie. Ouais, c'est encore chez... Ok. Ok. On peut pas... En fait, si, ce serait bien. Je vais faire à manger. Ah ouais, mais j'ai plus rien. J'ai plus rien. Je vais devoir claquer toute ma vie dans le bon... Ma vie. Je suis deg. Je suis deg. Est-ce qu'on avait fait... Oh là là, il y a tout le monde.
trop de discussions. Allez, bonjour. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Il a pas dit qu'il aurait un arrivage de crabes royaux aujourd'hui? Qui sait? Peut-être que le capitaine nous prend tous pour des pigeons. Ça arrive tout le temps, en fait. Ils en ont pas encore en stock, mais ils commencent quand même à prendre des commandes. C'est pas le genre du capitaine. Il a dû se passer quelque chose. J'ai entendu dire qu'il y allait avoir un nouvel arrivage de crabes royaux. Je voulais en acheter pour mes gars. Ok. Vous aussi, vous venez acheter du crabe royal? Eh oui, tout à fait. Ah, cela fait si longtemps que je n'ai pas goûté à la succulente chair de crabe. Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. Et vous alors? Je ne pensais pas que les robots sont capables de goûter aux délices de la mer. Oh non, madame, c'est pas pour moi. Moi, tout ce dont j'ai besoin, c'est une bonne recharge. C'est pour ma femme. Elle est complètement accro au crabe. Oh oh oh, merveilleux, votre femme a de la chance de vous avoir. Je précise, mais vous avez quelque chose qui dépasse de votre tête, monsieur. Je précise que... ouais, je sais pas trop pourquoi on se fait une mission à Harvest Moon. Je sais pourquoi vous êtes là, matelot. Vous voulez goûter à notre crabe comme tout le monde. Et là, du coup, on va avoir forcément, bien sûr, vu que l'objet est rare, on va forcément gagner. Il est parti au port et j'attends encore son retour. Ok. Jon, on devrait aller voir au marché du dragon. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Au marché, en lui-même? Je crois pas. Donc oui, vu que maintenant l'ingrédient est rare, tout ça en une journée, nous avons la chance de pouvoir, nous, y aller, se pointer. On vous a déjà rencontré, mais vous étiez pas là. Et de gagner. Ah ouh! Le marché du dragon est ouvert! Maître Ebou. Ah, mais t'es bête ou quoi? Qu'est-ce que ça peut bien nous faire à nous? On n'a pas un sou en poche. Oh là là, j'ai... Attendez, il faut que j'aille... Je vais chercher... parce que j'ai pas pris mon goûter. Je vais juste aller chercher un éclair. Parce que j'ai acheté des éclairs, mais je les ai pas mangés. Je reviens. Abusif. Je viens de regarder la tête de l'éclair. Je vous montre. Attention, je vais vous montrer en zoom. Attention, je vais essayer. On va faire un zoom en même temps. Regardez-moi cet éclair. Chocolat avec des trucs qui sont des perles de vanille, j'ai l'impression. Mais ouais, j'en avais un en fait en... Margarine, c'est ça, ouais. Ouais, j'en avais un au café, mais je l'ai mangé avant. Et en fait, j'ai encore faim. Eh ben ça, alors, t'es plus dans la tête... T'en as plus dans la tête que je pensais. Ça va être dur de faire la traduction. Donc, pardonnez-moi si je ne traduis pas. Plutôt que je ne transmets pas plutôt l'information à l'oral. Ver de terre, souris et crapaud du néant. Peut-être que je vais prendre une salette aussi, ça peut être intéressant, genre. En plus, j'ai tellement tendance à pas manger des trucs aussi gras et sucrés. Mais là, j'en avais besoin aujourd'hui. C'est dur, hein. Ça reste en bouche. Hein. J'essaie de ranger mes fils parce que j'ai l'impression que ça dépasse.
Ok, mélangez le tout dans un grand chaudron et prenez chaque jour 3 bonnes rations. Elle m'a donné la recette là? Ok. Trop gourmand pour ces trucs. Ah, oh, des nanes au fromage, trop bien. Oh, des nanes tout court, plutôt. Et du faux, ok. Alors du coup, c'est cher pour ce que c'est, une nan, par contre. Pardon. Je les cueille, vous les achetez. Un échange gratuit? Bah donne. Un ananas, trop bien. Il est trop beau en plus. Magnifique. Ah vous voyez pas, attendez, je vais cacher la caméra. L'ananas, cette beauté d'ananas, quand même, c'est magnifique. Mais après, du coup, il me les vend 10 balles. C'est un bon marchand. Hein. Je sais pas si c'est comme ça que ça fait des affaires, mais c'est un bon marchand, j'ai l'impression. Tu sais, parfois, je me pose des questions. Ah bah ça, c'est la suite de... La musique a totalement changé. Parce qu'il marche beaucoup. Le marchand? Non. Il a l'air d'être un peu stagnant. Les plus incultes que je connaisse, carrément. Évitons les stéréotypes. Alors ça veut dire que vous connaissez le fatigue? Oui, mais... Et le patron dans ce cas? Il s'agit tellement qu'on dirait que quelqu'un a fourré de la dynamite dans son... minuscule derrière. Bah, il fait bonne figure, c'est tout. En fait, ces derniers temps, il se plaint de douleur à la hanche, pauvre vieux. Oh, une seconde, les robots ont des hanches? Quoi? Pourquoi ils en ont besoin pour marcher, en fait? Le plus compliqué chez un robot... in real life, hein, pas dans un jeu, c'est le fait de marcher. Oh, est-ce qu'on fait une pause de Boston Dynamics là? Ouh, je vais enlever le son, mais par contre, je peux vous montrer un truc. Ça m'a fait flipper. Bon, ça m'a fait flipper, façon de parler. Donc, je vais vous montrer. Alors, faut que j'enlève le son, par contre. C'est une vidéo de Mashable qui... est un magazine numérique qui parle de numérique plutôt. Boston Dynamics, c'est ceux qui s'occupent des robots là, de l'armée américaine. Ne nous voilons pas la face. Alors je vais vous montrer, mais il faut que je coupe le son. Donc je vais faire ça tout de suite. Il faut que je coupe le son direct. Couper le son. Potentiellement la vidéo va pas être très 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 visible non plus. Je vous montre. Alors, ils ont fait un truc
Je vais vous l'envoyer après. Ils ont fait un truc, ils ont fait. Alors attendez, parce que j'essaie de partager en même temps, mais en fait, je devrais pas. Donc en fait, ils sont en train de faire danser les robots de plus en plus. Et il y a une vidéo qui est sortie récemment. Si on peut voir, merci Mashable, Boston Dynamics, quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir accès à vos sites? Ah non, mais c'est pire. Regardez-moi ça. Du coup, le son est coupé, hein. Enfin, j'espère. Donc là, on a des robots qui commencent à avoir de l'attitude. De l'attitude. Donc ils ont fait tout le clip de Rolling Stone. Voilà. Et Mashable, ce qui est très rigolo, c'est qu'ils ont fait un parallèle dans leur truc. Alors je sais pas si c'est Mashable, ça. Non. Je vais essayer de vous montrer le truc de Mashable, parce qu'ils ont fait un parallèle. Avec, vous trouvez ça bizarre et tout, et pourtant, vous avez pas trouvé ça bizarre quand il portait des armes. Un peu. C'est le moment où on peut faire le zoom là. Voilà. Je joue par moment, je ne suis pas acteur, mais j'essaye de faire des trucs de temps en temps. Ah, tiens, t'as refait le zoom. En plus, y a même pas j'ai pas mis de compteur, je devrais le faire. ah non, c'est moi qui l'ai écrit et je l'ai vu longtemps après. J'ai essayé de vous montrer. Parce que la vidéo de Mashable est mieux parce qu'en fait ils font danser du coup les trucs, mais c'est pour pouvoir aussi avoir une sorte de toucher des gens quoi. Et parce que voilà, t'as vu, ils dansent, c'est mignon, gnagnagnagnagna, enfin ce genre de truc là. Et en fait, dans la vidéo, c'était sur Twitter, dans la vidéo, tu les vois un moment passer, genre, oui, bon, ils ont porté des armes à un moment. C'est genre, ok. Non, je suis pas acteur. Je suis acteur comme les mauvais acteurs, tu vois. Je suis acteur, par défaut. Bon, je vais jamais y arriver. Allez, hop. Si ça charge un jour, je vous montrerai. Je vous ferai tourner le truc. Mais en grosso modo, le truc, c'est. Ouais, je le mettrai dans le Discord, je pense. Ce qui m'a fait mourir de rire, c'est ça. C'est le parallèle avec le fait qu'ils portent des armes, tout simplement. C'est des robots porteurs d'armes, développés par l'armée américaine. Mais nous, on est censé être contents. Voilà. Ah, je l'ai pas vu passer celui-là. Sorry, sorry. J'ai pas vu passer le zoom. Ouais, du coup, en fait, faudrait que je continue à voir. Parce qu'en fait, j'ai enlevé l'aperçu. C'est pour ça que je le vois pas. Et en fait, il faut que je garde l'aperçu. Et ça, c'est un autre problème. Parce que, en fait, il faut que je puisse capter que je suis en flou. C'est moi où il n'y a plus de musique? Il n'y avait plus de musique dans leur jeu. La musique est dead. Ah, ça y est. Ma petite Samy merveilleuse. Candy Floss. C'est quoi ça, Candy Floss? Ça veut dire quoi, Candy Floss? Écoute-moi bien. Le capitaine m'a envoyé récupérer la cargaison de crabe. Je suis venu directement ici comme un véritable early bird. Un early bird de Patreon? Mais devine quoi, le bâton était fermé à clé comme une figure backdoor. Wow, vas-y, j'en ai marre. Et c'est Dumps. Ok. Il fait du franglais, mais du franglais de écrire en anglais, donc c'est pas vraiment. C'est pas vraiment très logique, quoi. Donc c'est la confrérie des bâtisseurs. The Crime of the Cop.
N'importe quoi. Ok, bonjour, vous dessinez? Margot Larry Pittore. Rebonjour, mes amis, vous ne pouviez pas mieux tomber. Approchez, regardez ce que j'ai trouvé. C'est un totem très rare et très ancien. À mon avis, seuls les gens de mon village seraient capables de percevoir sa véritable nature. D'accord. Je dois prendre... Je dois aller à la marina, j'imagine. Ah, faut que je parle avec le robot. Ah oui, c'est le robot des trucs bâtisseurs. C'est dommage, hein, il est bien le jeu, mais il y a des petits problèmes qui sont... Je le trouve très long pour pas grand chose pour l'instant. Je vous avoue, je suis un peu dur avec le jeu. Parce que même le gameplay, il devient pas si dur que ça. Bonjour. Je vous garantis pas que c'est vrai, mais il paraît qu'un truc vraiment incroyable est au cœur du... Ok. C'est la ville basse, c'est quoi? C'est le quartier des voleurs, comme dans Skyrim? Qu'est-ce que ça faisait rire, les trucs de vol? Très long. Bah en fait, il dure 15 heures, moi je trouve que c'est long. Moi je suis désolé, mais je suis un ancien gamer en fait. J'ai joué à Skyrim, j'ai jamais fini. Je sais que c'est très long et tout, j'aime bien. Mais j'ai eu du mal avec... J'ai du mal avec le temps des jeux en ce moment. Quoi, je peux pas aller faire? On frappe avant d'entrer, mais elle est où ta porte? Ici? Bon, bah, ce sera pour plus tard, hein, pardon. Ok. Non, non, il est pas long du tout pour l'époque, en fait. C'est surtout ça, 15 heures, c'est rien. Hein. Mais même au Mori, j'ai trouvé qu'il était un peu long. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que... Il aurait été plus dense. Ça aurait été peut-être un plus intéressant. Pourquoi diable ont-ils décidé de rouvrir ce maudit marché? Comment je suis censé dormir maintenant avec tout ce raffut? Oh... Les pauvres... En plus, tu dors sur un matelas, c'est plus l'enfer. Donc je sais pas, en fait, c'est par rapport à la dose d'intérêt, en fait, je pense, des jeux que j'ai du mal avec la longueur. Là, pour l'instant, j'ai pas trop l'intérêt. On sait toujours pas, par exemple, ça fait 10 heures qu'on joue, on sait toujours pas qui est sa version rouge, quoi. Une montre de feu. Qu'est-ce que c'est que c'est? C'est pas là. C'est pas ça, mon sac à dos? Si, c'est mon sac à dos. Je comprends pas. C'est un ingrédient? J'ai récupéré une menthe de feu et je la trouve pas. Il se passe quoi, là? Ah si, c'est un ingrédient, du coup. Ok. Des feuilles qui arrachent tellement que vous en cracherez des flammes bleues. Ça, c'est pas mal, quand même. Ouais, on sait toujours pas qui est son double, en fait. Les boss, tu peux les faire pas trop. Enfin, c'est pas... Moi, je suis pas un super bon boss rusher, mais... C'est pas incroyable. Après, peut-être que c'est aussi pour ça, hein, que j'étais passé sur Mass Effect pour l'arrache, parce qu'en fait, je crois que c'est le style aussi. Ça a peut-être fait un peu trop avec enchaîner Eastward avec Omori. Du coup, je vais peut-être prendre plus mon temps pour Life is Strange juste après, parce qu'on va faire ça, je pense, si ça marche bien. Et voir si Earthbound on fera plus tard, parce que je pense que c'est le genre en fait qui commence à me fatiguer. Il a imprimé quelque chose, c'est un robot impression. Très bien. Le marché du dragon est ouvert. Mais ça je sais. On y a acheté les produits les plus frais. Ok. Jon, je veux aller au marché du dragon. Mais on y est allé déjà. C'est ça le problème. C'est que là, par exemple, ça c'est un problème. Ça je suis désolé, mais on vient de le faire en fait. Cet homme là-bas est du genre passionné, disons. Il est venu me confesser son amour comme ça sans prévenir. Mais je préfère les hommes un peu plus musclés. D'ailleurs, je dois dire que vous êtes plutôt bien bâti. Les pères de famille ne t'intéressent pas, bah, tant mieux. Tant mieux, tant pis.
Ah, ils sont bourrés là. Ah, je comprends. Bon, et c'est pas moi qu'il faut demander pourquoi. Ah, il restera plutôt à ces deux comiques là-bas. Hein. Ils ont débarqué en géniant à propos d'une histoire de jackpot et ils se sont mis à picoler. Et maintenant, ils sont par terre dans les vagues comme deux ânes morts. Ah d'accord. Bonjour. Ah donc ils se sont fait électrocuter. C'est pas moi, c'est Mac. Mais pourquoi tu t'en prends à nous, monsieur? Vous auriez pas oublié quelque chose d'important, vous deux? Le pognon, on t'a payé ce qu'on devait pour nos consos, non? On l'a payé, hein, frérot. Les crabes royaux. On a oublié les crabes royaux. On est foutus. Amène-toi, frérot, il faut qu'on se grouille d'aller au marché du dragon. Et ils traversent, en plus, les gens. Ils te disent rien, ces deux-là, frérot? Quelqu'un qui boit en plein jour, c'est pas dans nos fréquentations. Ces deux-là, ils font jamais rien comme il faut. En tout cas, vous ferez bien de foncer au marché du dragon, là aussi. La demande en crabe royaux va crever le plafond. On est vraiment désolé, monsieur Chevy. Vraiment désolé. Come on, bande d'idiots, vous avez bien failli me faire... Quoi? Me faire perdre mon boulot. Je m'en fiche de vos excuses. Ce que je veux, c'est vous montrer, voir monter ce crabe jusqu'au magasin. Ok, à vos ordres. À vos ordres. Mais pourquoi on a récupéré des crabes là? J'ai rien compris. Sam, ma grande, je savais bien que je pouvais compter sur vous. Un immense thank you. Mais pourquoi? On n'a rien fait en fait. À part aller chercher tes. Autour de notre abonnés, histoire de vérifier que ces foules ne tentent rien d'autre. Ok. Quand vous aurez le temps, passez me voir là-haut. Ok. D'accord. J'ai une amazing reward qui vous attend. D'accord. C'était tout ce qu'il fallait faire? Faire un aller-retour pour revenir en arrière? Non mais c'est sérieux là? Et ça c'est la quête principale. C'est même pas une quête secondaire. C'est vraiment la quête principale. C'est genre, il n'y a rien d'autre en fait. Déjà qu'on peut même pas augmenter, on n'a pas suffisamment de thunes. Je suis deg. Pas augmenter nos tirs, hein, nos vies. C'est là, hein. C'est là, je crois. Je crois que c'est là. Non, c'est au-dessus. Bon. Il est joli et tout, mais ouais, il est un peu dommage. Un peu creux, je trouve. J'ai la récompense que t'avais promise. Entre vite. Je vais te donner des crabes royaux, voilà, exactement. Je croyais qu'il fallait aller pêcher, faire quelque chose, même pas. Vous savez que vous serez de retour en rien de temps. Alors, a envie de gâter vos papilles avec un peu de chair de... Ok, je vous ai réservé une belle portion, super. Vous voulez vraiment nous donner tous ces crabes? Sans votre aide, nos crabes royaux seraient la pince à David Jones. La référence. La référence à Prince of Caraïbes, les pires films du monde. C'est moi qui devrais vous remercier. Prenez-les tous. Perdre des points à faire des références à ce film, sérieusement. Aïe aïe aïe. C'est triste, hein. Donc on a fait que ça. Je sais pas trop quoi en penser. Jon, vite, Lee sera là dans une minute à l'autre. C'est la deuxième fois qu'on fait de la bouffe au lit, hein. La pâte, grande ou petite. Oh non, on n'a pas assez de gingembre. Oh non. Elle va manger ma crème de dessert. Zut de zut. Les crabes s'enfuient, Jon. Je m'en occupe. Non mais c'est sérieux là? Il y a vraiment une mission crabe? Mais c'est pour ça que j'aime pas la Life is Strange. En fait, il y a un truc dans la Life is Strange qui me dérange beaucoup aussi. Je crois qu'il y a des gens qui... Il y a des crabes qui sont là-haut aussi. Ah ouais, non mais... il se passe des trucs là dans la vie.
rien qui va. Non mais vous allez comprendre, hein, si vous regardez la manière dont je vais jouer, il y a des trucs que je supporte pas dans Life is Strange, exactement de la même façon que Mass Effect, mais c'est pas les thèmes. Les thèmes, à la limite, j'apprécie les thèmes de Life is Strange. Et la seule différence, c'est que je supporte pas la manière dont ça joue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jouons, j'ai rattrapé tous les crabes. Et du coup, il faut que je joue à Before the Storm avant de jouer à Life is Strange 1, 2, 3, 4, alors qu'il est sorti après, c'est ça? C'est comme tous les bons films. Je vais être méchant, mais est-ce que c'est comme tous les bons films qui ont une préquel? Ah là là. Bah oui, on a déjà commencé à cuisiner, on a eu le temps de faire trois fois l'aller-retour, donc je viens de te dire. Jon, Sam, la troupe est chou. Donc là, c'est Jasper. Hein. Donc là, on va encore avoir le cirque et tout, mais... Super, ça fait combien de temps que ça fait moins d'une heure et je suis déjà fatigué du jeu quoi. Il fait froid aussi. Alors, on se croirait dans Earthbound. Ça sonne bien, pas vrai? Oui. Oh, ça marche, le timer. Ouais, on refait un aller-retour avec le cirque. Ouais, trop bien, j'adore. Y'a... Ah, j'ai cru que ça, on entendait le feu. Le cirque, c'est là. Donc on y va direct. Hein. On peut passer par là. Hein. Ouais, parce que j'ai commencé Before the Storm, mais ça m'a insupporté, en fait. En fait, c'est les personnages. J'ai vraiment du mal avec la manière dont on est rond. Dont c'est des représentations de l'Amérique, en fait. J'en ai marre d'avoir les mêmes persos, entre guillemets, quoi. C'est des troupes qu'on voit dans des séries d'ados... que j'ai jamais regardé, autre que Art les Cœurs à Vif. Donc en fait, je suis vraiment pas la cible, en fait, à proprement parler. Le gameplay est moins recherché, du coup, si t'as pas l'attachement émotionnel, les personnages te parleront pas du tout. Bah ouais, mais c'est ça. C'est exactement ça. Et le premier, j'y ai joué en démo, tout le début. Avec mon frère. Vous avez entendu, bande de moyens, il me faut cet argent, et il me le faut aujourd'hui. Ok, donc c'est le chef et il dit vous êtes des minables. Voilà. Abus. Est-ce qu'on peut le taper? Lui arracher la chemise? C'est même pas le gameplay spécifiquement qui me dérange, c'est les réponses. C'est comme le oui mais. Donc ça me dérange. Ou les choix, tu vois, d'action que t'as à faire. Soit tu vas dans le script, soit tu vas dans le script, quoi. C'est un peu dommage. Aucune discussion possible. Il nous faudra un miracle ce soir, sinon on devra partir. Mieux vaut commencer à réfléchir à ce qu'on fera ensuite. Partir, mais vous pouvez pas partir, ça veut dire que je pourrai plus jamais manger de la glace. On est désolé, Chouquette. Bon, après, on verra. Ça se trouve, le 1, j'ai bien aimé. Tu vois, la démo, en fait, je l'ai fait en 2-2, mais... je trouvais que la manière de... était pas incroyable non plus.
On n'a pas envie de partir. Je dois avouer que si on avait su que les choses se finiraient ainsi, on ne serait peut-être pas jamais venu dans cette ville. Taisez-vous, tout autant que vous êtes. Quel genre d'artiste faut-il pour abandonner son public? Des artistes pauvres. Jasper n'a pas tort. C'est vrai. Sérieusement. On ne peut pas tout de même pas abandonner notre public. Mais. Alors qu'est-ce qu'on attend? On va répéter à fond et montrer à cette ville ce que la train Fantasia a dans le ventre. C'est-à-dire rien. Donnez-leur de la thune, leur inquiétude est légitime. Si nous lançons un spectacle de ce sort dans l'état actuel des choses, ce sera une catastrophe calamiteuse, rien de moins. Il faut nous aider. Il y a forcément quelque chose à faire. On n'est pas millionnaire depuis la dernière fois qu'on a gagné au casino, là? Ah oui, c'est vrai qu'on avait part... on avait... On doit finir le crabe pour être millionnaire. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. On met une pièce dans un truc de casino et après on se fait séquestrer notre thune. N'importe quoi. Ah mais c'est... je connais! C'est la Ginyu Unit. C'est l'unité de Ginyu de Dragon Ball Z. Qu'est-ce que je pourrais éventuellement me rendre utile? Hein? Oh, c'est toi, Géant. Ne me dis pas que tu veux rejoindre le groupe quand même. Pourquoi pas? Je ne suis pas tout à fait sûr que ça marche. Hein. Pourquoi? Peut-être avec une tenue un peu différente. Pour accentuer un peu les choses. Voilà une brillante idée. Mais où est-ce qu'on va trouver ça? On n'a même pas de quoi manger à notre faim. C'est pas comme ça que fonctionnent tous les casinos. Bah si, ils gagnent tout. Hein. De toute façon, le principe, c'est de... Malheureusement, que tu perdes ton argent. Ils ont fait l'impasse dans la musique. Hein. Il faut qu'on s'entraîne par le vrai, les gars. Super. Ok, donc il a rendez-vous avec une femme, Lily, voilà, qui est au bar. Super! Ok. 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 De toute façon, c'est écrit sur notre carte, hein, donc voilà. J'ai même pas besoin de vous écouter, en fait, en vrai. En fait, c'est pour ça que je supporte pas les villes, je crois, dans les jeux. Il y a très peu de jeux qui te laissent avoir un peu champ libre sur un... Enfin, tu vois, qui sont conséquents, entre guillemets, sur la manière dont ça se passe. Là, on est obligé de rester dans cette ville, pour je ne sais quelle raison. Pourquoi la mousson, elle n'arrive pas? On sait toujours pas pourquoi, et d'où vient l'histoire de... De la mousse là. Pourquoi je dois aller là? Je vais chercher mon au casino ma thune, apparemment. Bonjour, Lily. Vous êtes au courant? Cette troupe de bons à rien va enfin dégager. Bon démarrage, je n'ai jamais pu les sentir. En plus, le parc va enfin pouvoir revenir comme avant. Ok, super. Garde la pêche. Tout le monde est au marché du dragon, mais pas d'inquiétude, ils sont vite de retour. Personne ne résiste longtemps au tintement alléchant des pièces. Oui, mais. Voilà, Lily. Bonjour Lily. C'est vous Lily? Je commence à regretter d'avoir accepté cet emploi au palais pellicule. Je dois supporter tous ces minables à longueur de journée. Et en plus, c'est, tu vois, c'est un peu trop... tout le monde est minable, et un truc qui est pas très cool non plus. J'avoue que ça me plaît, ok. Mais je comprends pas, je... C'est le robot, le plus intelligent. J'ai déjà analysé tous les scénarios possibles. Aucun ne mène à votre victoire sur notre cher lit. Conclusion, abandonnez tout de suite, c'est votre meilleure option. On va gagner de la bouffe, hein, t'inquiète. Mais je comprends pas ce qu'on est censé faire ici. Les croix, on est quand même sur une mission crustacée, c'est particulier quoi. Bien sûr qu'il y a des ennuis, on peut quand même pas rester là sans rien faire. Regardez bien les deux dernières. Les crabes royaux se sont enfuis. Il faut les attraper avant qu'ils ne filent pour de bon. Le cirque a des ennuis. Genre, on peut pas finir les crabes, là? Genre, juste... Et on devait te parler, je comprends pas.
que je dois faire avec Lily, hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que la pause là, ça a été fatal pour le jeu. Encore perdu, c'est pas grave, je continue. Ok, super, merci. Bon, on va rejouer, on va regagner. Voilà. Moi je propose ça. Non, on peut pas, c'est dommage. Mais qu'est-ce qu'on doit foutre ici? On vient de discuter avec Lily. Fallait discuter avec tout le monde du cirque là. Fallait s'intéresser à ce point-là. On est censé faire des crustacés. Je vois pas l'intérêt en fait de discuter avec tous les gens du cirque là. Genre, ah ouais, en fait, y a Jasper qui arrive, on a un problème au cirque, faut. Tu peux laisser cuire tes crustacés, hein, t'inquiète, hein. Genre, tu peux pas faire une autre mission, genre après? Parce que là, en fait, je récupère ma thune, je vous donne la thune, hein. Il y a un moment où, tu vois, c'est plus logique. Ah, fallait vous reparler. Allez. Le costume dont il parle, j'espère qu'il me sera utile. J'ai vraiment un cœur. Ah, mais fallait que je te parle avant de partir? Mais. J'en peux plus. Bien le bonjour, envie d'écouter les divagations d'un vieux costaud? Oui, je suis le lanceur de l'étoile de la troupe, vous savez. Ok, super. En quoi une troupe de cirque a-t-elle besoin d'un lanceur? Très bonne question. Hé, ma balle rapide est l'un des numéros les plus populaires. Vous savez, Lancelin, encore Matisse, l'incroyable Matisse, l'étoile filante. Ok. C'est comme ça qu'on m'appelait. Mais Lancelin avait un immense succès. Et puis nos affaires ont commencé à péricliter, le public se fait rare, je lançais de moins en moins, à tel point que j'en perdais la main. Un lanceur rouillé, qu'est-ce qui pouvait m'arriver de pire? Mais que faire? Je n'avais pas de partenaire. Ma balle rapide est, eh bien, très rapide. On va faire, mais... On va faire du baseball. Oh non. Ah c'est ça. Okay. Ah bah tu vois. Ah oui, c'est un peu rapide ta balle rapide. Je l'ai eu une fois. Voilà, deux fois. Ah ouais. Ah oui, t'accélères. Ah oui, t'es comme ça. Mais normalement, au baseball c'est fini. Hein. Normalement, tu fais passer trois fois, t'es out. Non, ça ne va pas. Si je dois ralentir ma balle rapide pour que vous puissiez la frapper, ça n'a pas plus aucun intérêt. Il faut y aller plus, franchement, plus fort, à fond. Faut que je loupe pas, là. Je réessaye, hein, mais si je loupe, on abandonne cette partie-là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que quelqu'un a un intérêt à ce truc? Faut louper zéro fois. Alors hop. Voilà, je l'ai pris shot. Y a rien qui va en fait. C'est 5 fois. Ok. Ok. Oh. Mais. Oh là là. Voilà. Non. Mais en plus, je suis pas doué à ce genre de jeu. Le fait de... Il faut que je l'avoue à un moment. C'est... Je peux pas faire les jeux de rythme. J'ai pas de réaction avec les touches. J'ai pas de vitesse, en fait. Il faut l'avouer à un moment. Oh là là. Oh là, je l'ai loupé. Je le pré-shot, c'est nul. Vas-y, il accélère. J'y arrive pas. Oh, j'y arrive pas. Oh! Ah, c'est sale!
Comment je sens? T'acheter, ça se froisse avec noblesse, ça se tremble avec élégance. Bon. Ah non. Je vais pas y arriver, hein. Je vous le dis, je vais pas y arriver. C'est sûr. J'y arrive pas. J'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Ah mon Dieu. Avec une main peut-être. Bon, là, c'est mort. Là, c'est mort. C'est dur. Ah, j'en peux plus. J'ai compris un truc, par contre. J'ai en train de mourir de l'œil, donc je vais baisser, je vais enlever un peu ça. Ah non, mais j'ai aucun réflexe. Ça se voit, hein. En fait, en vrai, je suis très bon, en vrai. Quand je joue pas dans un jeu et que je dois pas appuyer sur un bouton, je suis très bon au baseball. Mais là, par contre... Non, quoi. Clairement pas. Mais vas-y. Ok. 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 Oh. Ok. Ok. Dans sa tête. T'acheter, ça se froisse avec noblesse. Ça se tremble avec élégance. Bon. Le mode arme, mais me parle même pas de ça. Ah, comment c'est des losers. Ah, c'est des losers. Il envoie des balles rapides. Ah non, je crois que tu parlais du truc sur Twitter là, qui est en train de... Ah oui, mais toi, t'as pas Twitter. Ils sont en train de se faire un truc de... Ils sont en train de se faire un truc là sur... Salut, Jijou. Est-ce que tu as bien vu sur un moment un peu gênant? Mais c'est pas grave. Bien sûr, tout se passe bien ici, on est là pour ça. Salut Gilou, en tout cas. Non, mais c'est parce que c'est à cause de la lumière. Vous avez bien compris que j'avais mal à l'œil. Attends, j'ai pas envoyé de cure. Vous avez bien compris que j'avais mal à l'œil. Depuis que j'ai remis le truc, là, ça marchait. Vous avez bien compris que j'étais gêné, bien entendu, sur le côté de la lumière. Et faut pas oublier la dernière phase, hein, bien entendu, qui est importante. T'acheter, ça se froisse avec noblesse, ça se tremble avec élégance. Voilà. Bon. Et là, on est censé aller où? Je ne sais pas. On va aller voir Lily, mais voilà. Ouais, donc, que dire de plus? Je sais plus ce que je disais. Ah oui, sur Twitter, ils sont en train de se vénérer sur le mode d'accessibilité de Forza. Alors que c'est genre juste trop bien qu'ils aient fait un truc pour que ce soit accessible à d'autres personnes que des bourrins, en fait. Qui ont envie de bourriner. Et j'ai du mal à saisir, en fait, ce principe-là. Moi, je joue sans regarder sur quel est mon niveau de difficulté, donc... Voilà quoi. Mais c'est toi Lily. Je comprends pas. Mais je comprends pas en fait. Je parle à qui? Je dois faire quoi? Je dois faire quoi? Que dois-je faire? Ok, on descend, on va faire genre. On va au cirque again.
je comprends pas ce qu'il faut faire. Je regarde ma mission crustacée. Je dois aller au cirque. Toi, t'aimes bien la difficulté? Non, mais il y a des trucs qui sont qui peuvent être difficiles et c'est pas grave de baisser le niveau, quoi. Tu vois, c'est pas grave d'avoir un niveau qui est à ton niveau de difficulté, en fait, tout simplement. Tu vois, genre, en plus, ça parlait de Dark Souls, de faire un parallèle entre Forza et Dark Souls, mais quel est le niveau, en fait, déjà? Genre, il y en a un, c'est un jeu de voiture où tu dois te balader, principalement, c'est te balader et t'as des courses, et c'est tout, quoi. C'est beau. Graphiquement, t'as tout le monde qui est archi beau. Il y a rien à voir avec Dark Souls où le truc c'est tu vas prendre cher et en fait qu'importe le niveau de difficulté parce qu'en fait même si t'es en facile dans un Dark Souls si tu réfléchis au principe ah c'était lui qui fallait parler quand tu réfléchis au principe de Dark Souls oh non on va encore faire un truc là. Quand tu réfléchis au principe, même si tu rends le jeu facile, c'est-à-dire accessible, c'est-à-dire avec par exemple, on va dire des inputs plus longs, c'est-à-dire un coup de boss qui est plus visible, etc., ça remplacera pas la difficulté du jeu, parce que c'est un autre niveau de difficulté pour d'autres personnes. Et en plus, le jeu est interdit moins de 18 ans, donc tu vois ? Je crois que c'est ça, il est interdit moins de 18 ans. Et en fait, c'est pas des polémiques, ça. C'est, tu vois, les gens, ils se créent des trucs, ils ont pas de problème dans la vie, ils ont le temps. Et c'est exactement pareil que les personnes qui répondaient, qui demandaient le déban anti-patriarcat, quoi. Les gens ont le temps. Et moi, j'ai pas le temps, en fait, pour pouvoir jouer à un jeu qui à la base est juste tu kiffes ton temps, tu kiffes ton moment et voilà. Même si c'est Dark Souls, tu peux kiffer ton moment en plus, hein, donc je vois pas en fait quel rapport. Et après c'est à ton niveau. Si t'as envie de faire d'accélérer parce que t'as 30 minutes devant toi, tu vas pas jouer à Dark Souls. Parce qu'en fait c'est ça le problème. C'est que Dark Souls, tu t'es obligé de donner une heure, minimum. Pour passer d'un camp à un autre, tu prends minimum une heure, donc. Enfin, je suis gentil, hein, mais et en même temps méchant. Mais il y a les gens, on n'a pas le temps en fait d'utiliser une heure des fois. Quand tu travailles par exemple, t'as pas le temps de ça. Donc il y a peut-être que ce serait pas grave de baisser le niveau de. Quand t'as envie, quand t'as pas le temps, tout simplement. Et que t'as envie de te jouer un peu, te mettre dans un autre monde un peu 3 secondes. Mais je sais plus qui avait fait un truc comme ça, qui avait bien expliqué. Alors moi je dirais, j'ai pas du tout suivi, je dirais, vu ta tête, je dirais à gauche. Ah bah non, c'était au milieu. Je crois que c'était ça, hein. J'ai pas suivi, mais je crois que c'était au milieu. Qui a la réponse? Bon, on refait. Moi je regarde pas. On recommence? Bonjour. Ah, fallait perdre. Ok, bah c'est très bien. S'il fallait perdre, on a bien fait. Et du coup, pourquoi toi tu veux quoi? Pourquoi t'as toujours ton truc? On peut pas discuter avec Lily. Y'a pas les pécules, vous le reconnaîtrez au premier coup d'œil. Mais attends, on était pas au palais, hein? On était au casino. Ah, surtout, dans aucun rapport dans la poche. Mais c'est pas le palais, c'est le casino, du coup, le palais, il est où? Faut que j'aille au palais. Il est où le palais? Je sais plus moi. Bon, disons qu'on sait et qu'on va au palais. Hein. Parce que le palais Pécule, c'est le casino? Au deuxième étage, qu'il a dit. Je comprends plus rien en fait à ce jeu. On fait une mission crustacée en aidant les gens du cirque. Je capte plus. On m'a séquestré ma thune. Bon, au revoir. Ah, bonjour. Deuxième étage. Bon. Apparemment, c'est pas là le deuxième étage. Il y a une porte quelque part, mais dans ce coin. Un ascenseur, quelque chose. Je vois rien. Je vois rien. Il se passe quoi ici? Ah, ma foi. Oui, premier étage du coup.
Bon. Bonjour, ça doit être par là. On ne passe pas. Ah! Un fouet? Ah, je croyais que c'était une, une salle d'électrocution. Non, c'est juste une salle BDSM, ça va. Ok. Oulala, j'ai peur de ce qui va se passer. On est en train de faire Christine Accordula, là Ah, d'accord, ok. Oui, c'est vrai, ça a l'air d'être ça. C'est ça, son déguisement? C'est juste ça, là? Parce que là, son déguisement, c'est quoi? C'est Catwoman? Dans le Catwoman de Tim Burton? Ça a l'air d'être ça, hein. Parce que Selena... Selena, elle a les cheveux blancs. C'était juste ça qu'il fallait faire. Mon dieu, je n'ai rien compris de ce qui... Depuis tout à l'heure, je fais des allers-retours, je comprends pas, et maintenant... C'était juste ça. Waouh. En plus, je suis parti du mauvais côté. C'est quand même beau, hein. Moi, j'aime bien la ville. Je trouve ça kiffant. C'est joli. Un sac poubelle et une feuille en guise de masque. Alors, excuse-moi, Raving Bell, je trouve que tu forces un peu. C'était pas du tout... un sac poubelle, c'était... attends, il est... Oui... Voilà. C'est un masque, quand même. Augmente le sex appeal. Je peux porter ça? Non, même pas. C'est nul. Genre, on a une jauge de sex appeal. Déjà, j'arrive même pas à augmenter ma jauge de vie, là. N'importe quoi. C'est où? C'est là? Mais pourquoi je... Sac poubelle et une feuille en guise de... Ça pourrait, hein? Je sais pas si quel est ton déguisement que tu pensais, mais... J'imagine que ça peut en faire un. Oh, vous avez réussi, je savais bien que c'était une bonne idée, vous envoyez là-bas. Une serpillière en guise de perruque. Ah. C'est un peu gênant, vous ne trouvez pas? Bah si, totalement. On n'a pas fait que l'aller-retour, on a fait trois fois l'aller-retour. Non mais là, on est d'accord, attends. Si elle a pas envie de s'habiller comme ça, mais... Oh lolo. Est-on... Ah, ok. Est-ce qu'on en est à là? On en est à là. Je rappelle qu'il y a des commandes, si vous voulez. Hein, des nouvelles, en plus. Et... je pense que là, c'est le moment de dire... De dire non, c'est non. Hein. Je sais pas si ça marchait. Mais c'est pas du tout la même personne. Ok. La reine, sacré scarabée. Ah, c'est un scarabée, d'accord. Je voulais même pas regarder tellement c'est fatigant. Qu'est-ce que je vais devoir faire en plus que cette mission pétée du cul pour juste cuire des crabes? On peut plus. Mais je dois faire la ticketterie en plus, ou la billetterie, j'en peux plus. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? J'en peux plus! Je comprends pas. Pourquoi?
Je vais faire un honk général pour la révolte. Ok, on peut se barrer ? Je comprends pourquoi ça dure 15 heures. Enfin bref. Alors on a fait une heure et demie, on a même pas fini cette mission de crabe, wesh. Je suis traumatisé. On a que ça à foutre dans notre vie de passer 15 ans à essayer de jouer à un jeu là. Et lui là, ça fait ou elle, je sais pas. Ah si c'est lui, je ne comprends pas depuis ça fait genre 4 épisodes qu'on le voit. 4 épisodes qu'on le check pas alors que le mec est dans le trailer, wesh. Il y a un moment où faut quand même je sais pas, on a un jeu à faire, une histoire. Est-ce que j'ai halluciné sur Long To Beat que c'était le temps commun 15h ? Je comprends pas. Je comprends pas, parce que là, on est parti pour jouer plus que 15h. Hein. Ça fait déjà 11h30 qu'on joue. S'il te plaît, 12h. Même si j'ai traduit... Même si j'ai parlé... j'ai dit tous les... Tout ce qui était dit avant, je suis fatigué. Notre crabe en cocotte. Oui. Oui. Et c'était pas en cocotte qu'on l'avait mis. Ah oui, si, dans la cocotte. Oui, j'ai compris. Je croyais que c'était en cocotte. Il y a que moi qui ai pensé à l'histoire de la bouffe, c'est ça. C'est ouais, tout le monde s'en fout. Donne-nous ta thune. On a oublié tout ça à cause d'un cirque. Parce que cette mission n'a aucun sens. Oui, mais le crabe au cocotte est dead en fait. J'en ai marre, je vais regarder vite fait. Oh mon dieu. 19h, ça a augmenté depuis que j'ai regardé, depuis qu'on a commencé à jouer. Oh, pourquoi les gens qui vont vite, ils jouent en premier? 19h30. Moi, je sais pas, j'ai rien suivi à l'histoire, mais moi je te tiens juste compagnie. Bah ouais, j'avais bien compris. Tu n'as touché à rien, j'espère. Qui est très précis, oui, bien sûr. Alors en fait, on est vraiment parti pour pouvoir commencer Life is Strange en janvier, quoi. Je suis un peu traumatisé. Parce que là, si je calcule, on est à 10h, il nous reste encore 10h. Si on fait 2h par dimanche, ça fait 5 dimanches. On est en plein milieu de novembre, donc je crois que c'est ça, hein. Je vais regarder vite fait le calendrier, mais... 1, 2, 3... 4, 5... Ouais. Je finis normalement ce jeu juste avant Noël. Super, il ne vous reste plus qu'une seule chance. En fait, ton pari, il garde ma thune. J'en ai marre de ton pari, en fait. Tu trouvais le temps de réfléchir un peu et de trouver une idée qui tienne la route. En fait, ça me fatigue. En plus, ça pose pour pas grand-chose, là. Qu'est-ce qu'on fout ? La prochaine fois, vous êtes cuit. Non, mais d'accord. Super, la blague. Viens, Jean, on rentre. Ok, Jean. Salut.
C'est toujours mangeable, non? Non, je crois pas. Quand on n'a pas de papilles gustatives, peut-être. Mais il était à peine trop cuit. Ça ne peut pas être si mauvais que ça. Alors, en fait, je te dis que c'est dead. Ah, il y a l'anniversaire de la chaîne de Nathalie, si vous voulez aller voir Nathalie. Voilà. Ok. S'amuse au cirque, pour qu'il se prend. On n'était pas là pour s'amuser. Oui, c'est vrai qu'en fait, à la base, on n'était pas censé partir, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Devine. Le crabe en cocotte. Comment il a pu donner quelque chose d'aussi... On n'avait rien ajouté de bizarre dans la cocotte. Je ne cuisine pas si mal que ça. Il est trop cuit, c'est tout. Ces crabes sont un peu délicats, disons. Il est très facile de rater la cuisson. On n'a plus qu'à réessayer demain, mais c'est... Ok, c'est une éche un échec de mission. La musique, elle est en option. Non, mais si t'es bien, pose-toi, tranquille, hein, t'inquiète, hein, regarde. Moi, je suis juste un peu... un peu froissé. Tacheté, ça se froisse avec noblesse, ça se tremble avec élégance. Bon. Qu'on me gifle avec une carcasse de poisson. Est-ce que ce serait pas une référence à un produit culturel très européen? Slash belgeo-français plutôt même. D'où ça vient tout ça, hein? C'est grâce au cirque qu'ils ont, ils ont acheté... Ah, votre texte était trop long. Ah, personne ne vous a demandé votre lamentable avis. Bah, ça a été, hein, c'était bien, un énorme carton, super, c'est vrai, au bon sang, là là, comment ça se fait qu'on n'est pas venu à... Bah, devine, voilà. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est faire l'aller-retour pour éviter que la cuisson fonctionne, et éviter qu'on regarde le spectacle. Tout ce que j'adore dans les jeux, c'est-à-dire louper les moments où il pourrait y avoir des trucs intéressants à regarder. Tout ce que j'apprécie. Je veux même pas lire leurs discussions, ça m'intéresse pas en fait. Donc en fait, là, ils viennent de déposer des trucs sur la table et les gens après ils disent que c'est des cadeaux. Genre, y a un problème en fait. Tu peux pas faire un truc genre, c'est caché dans ton dos, ça apparaît d'un coup, je sais pas. Un truc de jeu vidéo. Mais je pense que c'est le problème entre les sprites et le fond. Les trucs sont trop fixes, il y a un truc comme ça, je pense. Du rock'n'roll, qu'une rock'n'roll, ok. J'avais pas compris. Ah, ok. Oui. Faisons la cuisine, bien sûr, ça sent trop bon. C'est la troisième journée qu'on passe dans ce jeu où on fait la cuisine et rien n'avance. Une intrigue. Est-ce que au-delà ce soir, là par exemple, ce serait bien qu'il y ait la fumée noire là, qui débarque. Qu'il y ait un truc qui se passe, quoi.
Histoire qu'il y ait une raison pour tous ces allers-retours. Comment on se retrouve? C'est qui William déjà? Vous le connaissez? Ah oui, c'était dans le métro. Ah, j'ai pas prévu la musique SNCF. Ce n'est pas louche du tout. Ne vous en faites pas, on essaye pas de vous avoir cette fois. Laisse-moi parler, tu veux? Ah oui, c'est ceux qui nous ont carottes. Après avoir appris que vos magnanimes bienfaiteurs se retrouvent en situation de crise, nous avons estimé qu'il était bien normal de vous offrir une forme de récompense. De la thune? Bien sûr, écoutons ce qu'ils ont à dire. Avez-vous entendu parler de la vallée des secousses? La décharge, vous voulez dire? Oui, tout à fait. Il se trouve qu'au lieu, au fil du temps, l'endroit a acquis ce nom alternatif. Il y a beaucoup de tremblements de terre là-bas. C'est pour ça qu'on l'appelle la vallée des secousses. Et ce ne sont pas des secousses ordinaires, voyez-vous. Si mes renseignements sont corrects, ces secousses sont provoquées par une créature particulièrement turbulente, le poisson sismique. Ça, c'est une ref à Zelda, non? La baleine... comment ça s'appelle? Dans Zelda... Link's Awakening. Eh bien, le mérite en revient à Isa. C'est la baleine du rêve, ou la baleine des rêves, je sais plus. Pourquoi ce poisson provoquerait des secousses sismiques? On n'a pas encore de certitude, mais je crois qu'il nage dans une décharge. Peut-être que c'est ça qui fait qui ressemble à des tremblements de terre. En fait, c'est juste que la décharge en elle-même se déplace, quoi. Et puis, comme il n'a pas de main, il peut pas se gratter. Ah. Ok. Heureusement qu'il y a de la musique de temps en temps. Maman, on secousse les pouces à bondir au-dessus de l'oreille, ok, super. C'est vrai, mais quel est le rapport avec le sujet? Oh, le rapport est plus qu'évident. En effet, figurez-vous que notre ami gourmet se sert de ses secousses pour se répaître de ses congénères aquatiques. Ah. Malin, ce poisson. Certes, mais écoutez bien ce qui est suivi et capital. L'essentiel du régime de ce poisson, voyez-vous, se résume à un poisson si fin, si délicieux, si merveilleux, qu'il vous dégoûte à jamais des autres poissons. Le vivano de la vallée d'Ambre. Ok. Ok. Oui, d'accord, c'est bien connu. Jabou-jabou, c'est-à-dire jabou-jabou. Le poisson est ce qui se fait de mieux dans la cuisine gastronomique. Le vivano de la vallée d'Ambre sent le lys. Il a le goût de miel. Sa chair a une texture unique qui danse dans la bouche. Et en plus, il est plein de bons nutriments. La crème de la crème, quand on parle de poisson. Le diamant brut de la vallée des secousses. Ah oui, le jabou-jabou, c'est le fruit du jabou-jabou, c'est dans One Piece. Il a l'air incroyable. Ah non, jabou-jabou, c'est le nom du poisson? C'est pas les fruits? Le poisson géant? C'est un poisson géant, c'est pas une baleine? Ça s'appelle jabou-jabou? Waouh! J'avoue que je ne sais plus. J'ai joué il y a très longtemps, ouais. Ok, on va aller pêcher maintenant, on peut y aller, là? Maintenant qu'on va débloquer toute la ville, on peut y aller? Allez! J'ai plus de patience, en fait, j'ai plus de patience. Là, c'est fini, j'en ai marre. Ocarina of Time. Ah, oui. Moi, je parlais dans Link's Awakening. Dans Ocarina of Time, c'est celui de 64. Moi, je parlais de celui de Game Boy. Je crois que c'est Link's Awakening, mais je m'en rappelle plus. Du nom. Dire que le premier jeu que j'avais stream, justement, c'était le début de Zelda. Ah, on a enfin récupéré nos vies. Maintenant, on peut se barrer. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît. Allez, on se barre. Pas. Oh là là. Jon, tu es enfin debout. Il faut qu'on parte en vitesse. Daniel et William nous attendent déjà à la grande gare. Quoi? Ok. Donc, bah vas-y, on change de niveau. Je vais devoir chercher la SNCF, c'est ça l'histoire. Je vais aller voir vite fait si on peut claquer nos thunes, parce que je sais pas si on a claqué tout.
On va aller acheter de l'équipement avant de bouger. Parce que j'ai plus de vie du tout. Mais j'ai tout claqué la dernière fois. Hein. En cause du lance-flamme. Le lot de munitions, le lot de bombes, SOS, non. Non. On peut rien acheter. On n'a jamais de thunes. J'en peux plus. On va acheter de la bouffe. Je pense que ça va être ça qui va nous sauver. Parce qu'on n'a plus de bouffe du tout aussi. Non mais les augmentations, je comprends pas. En fait, on avance jamais. Mais sérieusement. Donne-nous de la bouffe. 15 balles. De toute façon, ça sert à quoi? On n'a jamais d'argent, en fait. Donc, on va faire une poêlée de... Faut que j'aille chercher le truc de Mindstand, là, vite fait. Bon, je suis un peu deg, hein, je vous avoue. On n'a pas trop avancé pour l'instant. Mais on continue. Je vais juste chercher la SNCF. Hein. Ouais, bon, y a vraiment pas du son de SNCF. Alors, voilà, c'est bon. Ok. Je crois que c'est pas là. Bonjour, robot ménage. C'est là. Non, c'est là le tram, non? Non. Je sais plus où c'est. Il faut rentrer hein, quelque part, mais je sais plus où. Ah, c'est en bas? Quoi? Il y a un tromé en bas? Je comprends pas. Bon, bah... Je vais devoir encore faire le même chemin que j'ai fait deux fois la dernière fois avec les... Pas d'accord en fait, je suis clairement pas d'accord. Ok, donc là on est bien, c'est ici ou pas? C'est ici, on n'est jamais descendu ici en fait, donc on découvre. Hein. Oui, non, et on peut pas prendre le train ailleurs que ici là. Il n'y a pas le tromé dans la ville comme on avait... Enfin, je sais pas, on avait évité tout ça la dernière fois. On avait dit qu'on pouvait faire autrement. Merci. Ah, ça marche pas du coup. Alors là, c'est un SO que j'ai mis en place. Ça fait un peu LinkedIn friendly. Hein. C'est un SO que j'ai pas préparé. Si j'ai pas préparé un SO, en fait, normalement, ça devrait marcher. Avec le nom, mais apparemment, ça a capté le SO de soins, mais ça n'a pas fait par rapport à Raving Bell, donc ça n'a pas l'air de marcher. Donc on peut pas prendre le métro. Ici, c'est que une gare d'arrivée. J'en peux plus de ma vie. J'en peux plus. On est obligé de passer dans l'autre sens. On est obligé de traverser tout le truc. Genre, on débloque l'ouverture de métro pour faire que un sens. J'en peux plus du tout. On va devoir retaper tout le truc. C'est bien. Je vais essayer d'éviter à 90% les gens. Chose qui, à mon avis, ça va être à base de « je vais mourir ». Oh là là, j'en peux plus déjà. Les champignons et tout. En plus, on gagne rien, mais vraiment rien à faire ça, en fait. Là, le sel, là, il est puissant, hein. Dans le... Voilà, super, vas-y, casse-toi. J'ai pas le time en fait. Ah, un gros bout de sel. Voilà, c'était le seul sur des millions. Bon, sinon il y a scarabée, mais je vois pas. Dites-moi si c'est un peu choquant le message. Je l'ai un peu écrit au pif.
Ah oui, il y a des problèmes de faute de frappe. Nous ne nous connaissons pas. Ah, gros sel là, je l'ai vu. J'ai vu encore. Donc c'est pas vraiment des millions. C'est millions et deux. On essaie d'aller vite hein, parce que j'en peux plus passer par ici en fait. Non, dans le sens pas choquant, mais genre dans le sens un peu spé quoi. Le message de SO. J'ai perdu de la vie pour que dalle. Juste traverser quoi. Essaye le SO avec ton blast pour voir. Avec Mel. Je crois qu'il faut mettre SO plus at, mais je suis pas sûr. Ou SO tout court. Mais j'ai pas l'impression que ça marche. Mais tout ça ne vous posera aucun problème, j'en suis sûr qu'il ne risque rien derrière. Rendez-vous dans la vallée, d'accord? Ok. Où dois-je aller? J'ai que ça foutre. Je peux prendre le tromé? Non. Je dois vraiment refaire tout le chemin qu'on a déjà fait, qui est genre juste l'enfer, ce chemin. Ah oui, non, c'est la petite grotte qu'on avait fait la dernière fois que je devais pas faire. Oh. Ouais, je sais, mais c'est, en fait, c'est juste ça tombe bien que ça fasse ça. Ah, donc du coup, ça marche pas. Ça ne marche point. Il faut que je regarde les variables, parce que c'est ça, en fait, qui pose problème. Donc je crois que c'est ici qu'il faut aller. Oui, c'est ça, purée, j'en peux plus. Ah non, mais en plus, il y a eux, là, ils sont supportables. Bon, ils sont moins insupportables que les coureurs de jupons, hein, mais... Coureurs de jupons, façon de parler. Hein. C'est ceux qui courent avec des tentacules bizarres. Hein. On descend, parce que... Je veux faire une traite. Hein. Je suis désolé, mais j'ai pas envie d'attendre. Donc, il n'y a rien qui marche. Ok. Oh non, il y a des... Il y a encore les... Oh mais non, mais il y a les cookies aussi, les cookies mouches, là. Oh, mais rien qui va. C'est quoi, ça? Pourquoi on lui renvoie son Covid, lui? Genre, on joue... Mais attends, mais... En fait, c'est ça qui est pas marrant, c'est que... Il y a trop moyen de taper les gens, les choses. Et il sort. Et on gagne rien du tout à ça. Je suis choqué. À part perdre de la vie, on ne gagne rien du tout. Je sais plus comment on change les armes vite. Donc, ouais, ouais, non, mais après, merci d'être là, hein, justement, pour ça. Hein. Parce que sinon, on serait toujours au début de sur ce stream. C'est-à-dire à rien. Parce qu'il y a personne. Allez! De toute façon, ça changera pas de d'habitude. Tu vas mourir, tu vois, sans réagir, comme d'habitude. C'est super dur. Je crois que le niveau dur est trop vénère. Allez, sors. On sait qu'il y a quelqu'un ici. Non. Ok. Ça sert vraiment à quelque chose. Donc. Okay.
Je m'amuse. Je suis en pleine kiffance. Tu vois, le seul truc qui m'intéresse, c'est je regagne de la vie. Donc voilà, c'est fait. C'est à faire. Oh. Oh là là. Alors attention, parce que là... On va avoir un problème de vie, je crois. Non ? Si. Oui, je vais appeler le... Ah bah oui, c'est vrai que j'avais ça. Est-ce que ça me met plein de vie ou pas ? Même pas. Oula, gros sel. Dire qu'on est toujours en train de faire cette mission de vie. Bon, on va faire à manger, hein, parce que ça me fatigue. On va faire un truc au poulpe et elle. Ça, j'ai toujours pas compris. Est-ce que c'est la cuisson? Est-ce que c'est, ça valide quelque chose? Je ne sais pas. Je sais pas. Ça rajoute des trucs sans doute comme dans. Brochette de la mer. Super. On va mettre un peu de citron. Ça devrait faire un truc bien. J'espère que c'est pas des brochettes de la mer. LOL. Poisson vapeur, c'est bien. J'ai bien fait Nelly Citron. Poisson plus fruit. Ok. Est-ce qu'on pourrait faire un truc genre... Alors hier, je me suis rappelé d'un jeu que j'avais fait, que j'avais bien aimé. Et c'était un Silent Hill, mais je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a joué à ce jeu-là. Donc je sais pas si on le ferait. Parce que là, on arrive au bout de 2 heures. Et j'ai encore un peu de temps, je pense. Donc peut-être qu'on va faire une pause, et je vais peut-être essayer de mettre ça et vite fait on joue à ça quoi. C'est le Silent Hill sur PSP où on choisit en fait il y a une augmentation comment ça s'appelle, il y a un truc qui se passe qui est comme Life is Strange quoi, et c'est un jeu d'horreur particulier parce qu'en fait tu ne combats jamais ou tu n'as pas d'autre choix en fait que de fuir. Et je me rappelle que j'avais bien aimé. Est-ce qu'on est venu ici pour rien ? Trop lourde. Ah oui, il me semble avoir oublié de vous en parler. Pourquoi ? Pourquoi ? On a fait tout ce chemin, pourquoi ? Il va falloir un peu plus de force, ok. Il m'énerve. Tout le monde m'énerve. M'étage de ne rien casser cette fois-ci. Vas-y, casse tout ! Qui va froisser d'après vous? Ah ouais, il a écrasé quelqu'un. C'est ça suffit comme ça? Oui, c'est bien. Waouh, Daniel, t'es super. Je vais voir si je peux faire un pôle vite fait. Parce que j'ai pas testé, mais je crois que je l'ai. Il y a un outil qui est arrivé. Je sais pas si on peut le faire. Genre, ah oui, non, créer un nouveau sondage. Ah si, je peux faire. Non. Je vais poser la question. Après la pause, on joue à
Silent Hill PSP. Oui. Oui. Non. Fais un raid. C'est mieux. On va voir si ça marche. Parce que, en fait, normalement, je crois qu'on peut pas. Et je vous laisse jusqu'à... là, il nous reste 5 minutes. Je vous laisse 5 minutes. Ça, vous avez le choix. Est-ce qu'on peut augmenter cette minute-là? Non, c'est forcément 5 minutes. Oh, erreur de service. Oh, ça veut dire que je peux pas faire des sondages. C'est nul. C'est nul, ce jeu. C'est nul, faut être affilié pour faire des sondages. C'est à cause de la malédiction. Ok, d'accord. Donc, il y a une malédiction. Je suis très rassuré. Tout à fait, et c'est la raison de notre périple. Mais c'est une bien longue histoire, j'en ai pas eu. Le plus important dans l'immédiat, c'est de trouver. Ok. Bon, bah écoutez, restez bien là, hein, j'ai envie de dire. Ah, on doit mettre les pieds dans l'eau. D'accord, j'ai un peu peur. L'eau, c'est pas les trucs les plus bienveillants dans les jeux vidéo. Ah non, il y a les corbacks. Les corbacks, ils sont insupportables. Ils collent. Ils collent les gens et ils nous font perdre notre vie. Parce que là, en plus, si on meurt, on meurt, en fait. Donc, on va se récupérer de la vie. Merci, 12 bis. Ouais, affiliation pour son âge, ça m'a emmerdé aussi. Du coup, si t'as pas joué à Silent Hill PSP, peut-être qu'on va jouer à ça. Je me pose la question. Oh non, les cookies chmous. Cassez-vous, les chmous. Vas-y, on gagne rien avec ça, ça me fatigue. Bon, après, si on joue à Silent Hill, c'est pas un truc qui va me... En fait, faut me bloquer. Voilà, c'est bon. Ok. D'accord. Et ici, on peut pas passer. La joie, la bonne humeur. On s'amuse bien, hein. Genre, on n'en a jamais vu de ce côté-là, en fait. Ah si, peut-être on a dépassé. Donc là, j'imagine qu'il faut faire tomber ça. Ok, j'ai bien compris. C'est une plateforme. Je connais ce jeu. Ah, c'est en... Vite! Vite! Oh, on y est arrivé. Ah, je croyais que c'était une vitesse, mais non, pas du tout. Wow. Moi, je me mets des pressions parce que je pense que le jeu, il va m'emmener vers ça, mais non, pas du tout. Sors de l'eau, je veux pas de toi. Ah ouais, carrément. Ah, t'es en mode... t'es dans Zelda, toi. Vas-y, on peut même pas le toucher, une fatigue. Et ça, c'est du poison, j'imagine. La vraie vie. Le vrai game. On est caché. J'ai entendu Silent Hill, oui. Ah, tu as joué sur celui de PSP ou quoi? Parce que moi, en fait, dans les jeux d'horreur, c'est les seuls que j'adore. Donc, j'avoue que c'est un peu un petit une des petites madeleines de Proust en bon français. Vas-y, hey. Casse-toi. Tu m'énerves. Allez, pars. On finit ça vite fait. Je pense que ça va pas prendre 15 ans. Enfin, si, la dernière fois, ça a pris un moment quand même, le donjon. Vas-y, bouge! En fait, c'est ça. Tu sais, t'es obligé d'attendre pour éviter de faire défoncer en scred par le jeu. Ça me fatigue aussi. Voilà, par exemple, là, on va devoir attendre pour le taper. J'ai pas suffisamment de vie pour ces bêtises, je le précise. Allez, sors.
Ok. Ah non mais... Bon, vas-y, prenez ça, hein, parce que moi j'ai pas envie de vous jouer avec vous. Ah, parce qu'en plus ça marche pas avec eux, ça. Bien entendu. Hop. Bah bien sûr. Bah bien sûr. J'aurais dû m'en douter. Voilà, c'est mieux comme ça. Non, je n'ai qu'une PS2 et j'ai même pas fini tous nos jeux. Ouais, bah, en fait, moi, c'est un peu pour ça que j'ai toujours la Xbox 360 et que je n'ai pas d'autres jeux. J'ai la PSP de, que j'ai acheté un peu comme Mass Effect 3, c'est-à-dire quand c'était à 10 balles. Et du coup, j'avais récupéré PSP Silent Hill. Ça fait du sel, je crois. Ouais, ça fait du sel, ça. Et sort ta tête. Du sel, hop, c'est bon. En fait, c'est ça le truc, c'est ouais, c'est. Faut avoir le temps pour jouer déjà. Et en plus, faut avoir le temps aussi pour. Pour aller finir le jeu. Il y a des jeux, par exemple, ouais, clairement, que j'aimerais bien finir, qui sont des vieux jeux que j'ai pas joué. Et ce qui est marrant, c'est ça, c'est par exemple, tu vois, genre, tu vas jouer à Harvest Moon, les gens vont dire, ouais, c'est un rétro et tout, c'est du rétro gaming et tout. En fait, c'est Animal Crossing. Donc, la seule différence, c'est que t'as pas le social, quoi. T'as pas le social en multiplayer, donc du coup, la plupart des personnes pensent que... je crois que j'ai oublié un petit tournant de l'autre côté. Ah non, c'est bon. Ouais, c'est ça qui change. Ah. Tu peux venir avec moi, en fait, hein. Tu sais que t'es pas obligé de me quitter. Là, on a fait 2 heures. Ah! La joie. C'est le bon moment. Bien sûr. Bon. En 2 heures, on n'a pas fait grand chose. C'est un peu dommage. J'aimerais bien pousser jusqu'à 2h30. Histoire de. Je vais appeler mon pote Rebelle Sonic là. On va faire 2h30. Il reste 30 minutes. Voilà, j'étais sûr que ça allait se finir vite avec lui, mais hein, il y a toujours des trucs comme ça. Et après, on essaie de faire un petit salenti si on a le temps. Je vous avoue, j'ai pas grand-chose de prévu pour l'instant. Ça doit être ça qu'il fallait faire. Voilà. Il y a un truc là aussi à faire. Mais non, mais c'est... Merci. On va jusqu'au bout, hein. Mais monte! Qu'est-ce qui se passe, là? Monte! C'est censé nous intéresser, ce chemin-là? Non, je crois pas. On va faire un truc. J'imagine que... Oh. C'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Non. On peut pas sauter, là. Et là, on peut pas aller non plus. Je comprends pas. Mais non ! Oh là là. En fait, c'est une plateforme, je la comprends pas trop, parce que je pensais qu'on était que en haut, mais en fait, non, c'est plat. Donc, c'est complexe, hein. Il y a des effets de 3D à des endroits où il faudrait pas. Allez, ici.
ici. Ah ouais, du coup, faut que j'expose le truc. Ok, je viens de capter. Je viens de capter. Allez, vite, vite, vite. Oh purée. Bon, au moins c'est fait. Ah, j'en ai eu un. Je suis choqué. Oh là là. Je crois que je l'ai fait trop tôt. Dane. Est-ce qu'on aura le temps? Je ne sais pas. Je ne sais. On verra, c'est pas grave. Oh, je vais pas devoir me retaper l'autre là. Ah non, c'est bon, ok. Maintenant. Allez. Non. Oui, si, c'est bon. Et c'est, ça, c'est juste pour passer, hein. Genre le nombre de temps d'attente, quoi. C'est... Et là, on peut passer, là? Oui. Ça, ça veut juste dire que je peux... acheter des équipements si j'ai de la thune. Ah, elle est passée. Ah, on s'est séparés, d'accord. Ah, j'adore son truc 3D. Son truc en pixel, il est archi bien. Allez, on a bientôt fini. De toute façon, les niveaux, ils sont pas grands. En fait. J'ai trouvé des poissons, super. Allez, hop. Il est où? Il est en bas. Ok. Je choisis ça. Ah, il y a de la vie, super. Ok. La poêle. Et on est parti. Oh. Purée. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Avec un moment ça se passe. Mais oh dommage. Un déjà, c'est bien. Voilà. Il est tombé, il est mort. Il est tombé dans l'eau, j'ai pas de. J'ai rien. Quand il tombe dans l'eau, c'est fini. Fatigant. Bon après, en soi, le jeu est bien beau, il est bien fini. C'est un peu dommage en fait qu'il y ait des trucs un peu nuls comme le temps qui soit le problème, mais sinon, on va voir ça. En fait, il y a trop de temps où il n'y a rien pour pas grand chose. C'est comme je le disais tout à l'heure. Ah, mais il y a une mouche cookie là. Voilà, partez, une mouche cookie. Je suis censé faire flamber ça. Hein. Ça a l'air de passer en tout cas. Mais j'ai pas l'impression que c'est ça.
Ah, je sens que toi, tu dois passer par là. Hein. Non. Voilà. Toi, tu restes ici. Moi, je vais là. Ok. Même ça, c'est une bonne mécanique, mais c'est pareil, c'est sous-utilisé, j'ai l'impression, par moment. Bon, ok. Là, par exemple, je... Ok, on a avancé. Ah, la vraie vie. Faut que je réussisse à enflammer le truc. Non, bah, je vais utiliser la bombe, hein, c'est mieux. Voilà. Et ça, c'est suffisant. Ok. Hop, hop. En fait, faut vraiment que j'avance en même temps. Ok, d'accord. Ok. Ouais, non, parce que je peux pas la laisser là, en fait. Non, non, non. Oh, je l'aurai pas. Viens ici. Viens ici. Ouais. En fait, faut que ce soit lui qui débarque. Ok. Viens. Descends. Descends. Voilà, comme ça c'est fait. Là j'ai juste à attendre ici. J'appelle le rebelle Sonic, ça tombe très bien. C'est pas du tout là où je suis, mais d'accord. Est-ce qu'on est ensemble maintenant? Oh non. Again. Ça les a pas explosés. Ou j'ai mal visé. Ah. That's interesting. Je vais mourir. Je l'ai vu là. Voilà. Là, je peux pas avancer, c'est ça? Ok. Ah! Comment je peux faire? Ah oui, si, je passe là. Attends, il a dit qu'il y avait un truc là. Ok. Mais en fait, là, on, du coup, on va à un endroit où je sais pas trop ce qui nous intéresse, autre que encore notre histoire de crabe. Ah oui, c'est ça, c'est on va chercher le Vianney. On va... Mais on est même pas dans la décharge, c'est censé être la décharge ça? Bon, c'est possible. Ok. Oh là, je fais n'importe quoi. On va mourir à cause de ce crapaud again. Vite. Ah. Mais non. On va mourir à cause du crapaud, j'en peux plus. J'en peux plus, Nani.
Viens, viens m'embêter moi. Ça va, petit chat? Non. Ah, on est en... C'est pas du tout chiant non plus comme en chemin, donc du coup c'est bien. Je suis très heureux. Oh là là. Voilà, j'en ai marre des crapauds. Mais non! Oh, toutes ces bombes qui explosent pour rien. Ok, on va avancer au max. Allez, sors! Faut qu'on aille chercher du coup le... Voilà, on va chercher lui. Hein. Vas-y, viens. Bon, il ne voudra pas trop se venir. Donc... Viens. Regarde. Il y a une bombe qui t'attend. Viens. Je suis là. Il a avancé, sale gosse. Non. Exactement. Vas-y, ça me fatigue. Non, pas. Oh, purée, heureusement. Cette vie n'était pas volée. En fait, il y en a un qui attaque et l'autre qui ne fait rien d'autre. Hop. Donc je vais te laisser passer parce que... On est ensemble. On peut avoir de la vie parce qu'on en a plus. Ce serait cool. Jon, regarde, Jon, une voiture. Qu'est-ce que c'est à ton avis? Une voiture. Une Jeep. C'est une Jeep, voilà. Tu le savais, Jon? Elles ont beaucoup servi pendant la guerre. C'est Eva qui me l'a expliqué. Pan. Ok. Jon, on est... Salomon, super. Donc c'est bien, on est d'accord. Là, elle a pas utilisé son pouvoir, là. Il y a des moments où... Non. Non, pas ça. Oh non. Ah, le chat. Tu fais quoi? Elle m'a explosé les jambes. Again, hein, c'est toujours le meilleur moment. Hein. Toujours le meilleur. En plus, tu te lèches les ongles. Oh là là. Je te retiens. Ah, faut aller vite, en plus. Ok, bon c'est mort, hein. Je vous le dis direct. Hein. On est censé... Non mais c'est censé être un jeu. C'est censé être amusant. C'est pas du tout le genre de truc... De... Non mais c'est pas du tout. C'est pas le genre de truc qui m'amuse. Comment vous dire? Ça m'amuse pas trop. C'est joli, mais voilà. Oh là là. Est-ce que le but c'est d'arriver juste en bas et on s'en fiche ou... Ah mais j'ai un turbo, mais c'est génial. Tout ce que j'apprécie.
On fait du drift. Déjà vu, hein. Oh, c'est... Et ça, on vient de faire une boucle, hein. Je suis à préciser. Allez, on avance. On avance en vitesse. Est-ce qu'il y a... Il y a des étoiles? Il y a un truc? Je sais pas pourquoi on fait ça, en fait. Je crois que le but, c'est juste d'avancer. Mais je suis pas sûr. Ouais, c'est en fait, c'est le même... le même truc, ok. On arrive à la fin, hein, je vais dire. Ok. On peut pas s'arrêter. Bah non, tu m'étonnes. Regarde, c'est Daniel. Alors, regardez, il y a une sorte de monticule qui est fait exprès pour nous récupérer. Qu'il aurait avec quelque chose. Bah en fait, non. Pas très intéressant comme donjon, quoi. Mais c'est pas grave. Je n'oserais pas. Ah voilà. Ils arrivent. On va s'écraser, Daniel, écarte-toi. Il va nous arrêter. Est-ce que c'est... il va nous faire une Superman, là. Ouais, il va nous faire une Superman. T'acheter, ça se froisse avec noblesse. Ça se tremble avec élégance. Bon. Un mini pick-up Tamato, le premier véhicule de Tamato à être produit en série, ok, super. Un modèle blanc, ok. Ah ouais, parce qu'on a... C'est vrai qu'à la base, on était censé avoir une mission. Je crois que nous, on va s'arrêter là. Préparez-vous bien avant d'y aller, mais c'est... En fait, on n'y allait pas à la base. C'était juste pour aller chercher ça, pour faire quoi, en fait. Si vous, vous êtes là, ça veut dire qu'on a fait le tour, non? On est allé chercher quoi, exactement, là? Je comprends plus. On a même pas de bouffe. Ah si, on a récupéré des poissons, c'est vrai. Qu'on a un ingrédient spécial. Voilà, on va mettre de la menthe de feu. Faut que j'appuie. D'accord. Oui. J'ai deux poissons, donc... Tous ces poissons. Ah, ça me donne de la batterie. Ça régénère l'énergie, c'est pas bien. Réduit le coût. Ok. Ok. Hop. Un petit mélange de fruits. Pour la salade de fruits et légumes. Voilà, on a deux fruits. Allez, hop. Ok. Bon, ça c'est pour la prochaine fois, hein. Je précise, hein. On prépare ça. Donc je sais pas ce qu'on va faire là, avec ça. Peut-être que ça fait un truc. Ah non, il nous manque des ingrédients. Ok. Ok, donc on va faire une pause ici. On va peut-être, je sais pas, on peut... j'ai des trucs là. Ah, boisson énergisante, on a acheté ça. Parce que bon, c'est un boss, hein, j'imagine. On va aller juste regarder ce que c'est. On va s'arrêter ici, sinon. Je voulais vérifier un truc, justement. Que j'avais fait une commande pour les chapitres, mais je sais plus ce que c'est. Je vais regarder.
Oui, c'est ça, c'est chap. Commande chap. Ok. Je sais pas si c'est ça ou ça. Je sais plus. Je ne sais plus. On va regarder vite fait la tête du boss, voir si on... s'il y a un truc intéressant. Ah mais c'est vraiment le boss direct? Bah vas-y, on va faire. Écoute. Je pensais qu'on allait avoir du chemin, mais non. Ok, il se cogne ou pas dessus? Ok, d'accord, je comprends pas. D'accord, ok. 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 Je comprends pas comment on pourrait le taper, je vais juste regarder, mais c'est possible qu'on le fasse, du coup. Parce qu'il reste encore en vrai 4 minutes avant de 30, donc ça ferait un boss aujourd'hui quand même. Je comprends pas en fait cet objet, mais d'accord. Je vais mettre contre un mur pour voir ce que ça donne. Ok, donc maintenant, on va attendre ça. On n'a pas touché. Du coup, j'imagine que. On se met là, genre. Est-ce qu'il nous l'envoie? Ah oui, il nous l'envoie quand même. Ok. Du coup, je comprends pas trop ça. Ah si, il faut peut-être sur le chemin. Bon, vas-y, on va prendre ça. On va voir. En fait, j'ai du mal à saisir. À quel moment on peut le toucher? Ça va casser le truc. Okay. Et là, il est pas content. D'accord. Ok. Très bien. Je l'ai touché là ou. Ok. 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 Il a la vie, hein, genre, non? On prend pas la vie? On prend pas la vie? Ok, on prend pas la vie. Ok. D'accord. Si tu veux, hein, amuse-toi bien. Hein. Et on est censé faire quoi avec lui là? Ok, on casse tout alors. Vas-y, viens. Ah oui, d'accord, il pousse les bombes. Ok. Et bien, voilà, écoute. On est bien. Non. On va prendre de la vie au cas où. Histoire de... Oui, d'accord. Bonjour. Non. La bombe. Et j'espère qu'il m'a pas, que ça m'a pas coûté un truc. Ah si, bien sûr. On va poser ça tout de suite. Hein. Hop. 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 J'espère que ça va faire les deux. Hein. Ah, les deux. Allez, allez, maintenant! Oh là là. Mais non! Il a poussé!
Exactement. Ah. Est-ce qu'on a le Rebel Sonic en option là ? Oui. C'est bon, voilà, c'est fait. Ben voilà. En 30 secondes de décalage. Excusez-moi, hein, j'ai dépassé de 30 secondes. Pardon. Cœur max augmenté. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire? C'est écrit. Un peu, petit peu plus que je l'avais imaginé. Donc ça, c'était la décharge. Ok, bah, j'ai pas compris du tout ça. Je vais mettre un petit pull-up dans le chat. Parce qu'on a fini. Alors, c'est le Vivano d'Ambre. Ah oui, c'est vrai. Donc là, il a un petit bobo, hein, juste à la tête. J'ai juste tiré dessus avec un fusil à pompe. Hein. Il est tout petit comme ça. Oh. Voici l'objet de tes désirs. Ok, c'est le poisson qu'on cherchait, nous. Petit poisson. Tout ça pour ça, hein. On va faire à manger. On vient de faire à manger, hein. Ok, ils vont faire un parfum, ça va seulement comme des petits pains, ok. Ok. Bon, on va sauvegarder, et on va... Oh, purée, on peut pas sauvegarder. C'est ici qu'on sauvegarde, c'est où qu'on sauvegarde? Bonjour, j'aimerais bien sauvegarder, bonjour. Ici, on sauvegarde ici. Et après, on s'arrête. Voilà, bon, ça fait 2h32. On a fait un boss et pas grand chose d'autre à côté. Donc voilà, c'est un boss rush, on va dire. je vous laisse ici avec la musique et tout. Je vais juste me préparer pour la suite, du coup. Si ça ne vous dérange point. Je sais plus si je peux, mais on va voir. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais mettre? Ah oui, peut-être que je vais... Oui, du coup, je vous laisse la musique. Je voulais juste vous mettre la pause. Cherchez. Et c'est actuellement la pause. Hop. Et du coup, salut. Je reviens d'ici peu. A tout de suite.